les Allemandes, dans leurs villes belles et grandes, où glissent leurs foules accrues, les jeunes femmes allemandes vont lugubrement par les rues, tout en noir, sous leurs longs voiles, murmurant le nom du ministre, et plus blanches que les étoiles, elles marchent d'un air sinistre, rebuvant leurs larmes aigries, de la guerre vivant emblème, de leurs longues mains amaigries, elles traînent des enfants blêmes. Hélas, murmure une d'entre elles, avec une voix de fantôme, la victoire a pris sous ses ailes notre héros, le roi Guillaume. Monsieur de Bismarck nous informe qu'il va tailler une Allemagne plus magnifique et plus énorme que celle du roi Charlemagne. Il leur faudrait 1000 ans pour boire les éloges qu'ils thésaurisent, et leurs frites, écrasées de gloire, se portent bien à ce qu'ils disent. Mais nos frites à nous, aux martyrs, les pères de ces petits êtres, dont la main tremblante nous tire, où sont-ils? Qu'en ont fait leur maître? Loin de nous, qui devons nous taire, l'œil morne et la poitrine ouverte, à peine recouverts de terre, ils sommeillent sous l'herbe verte. Leur front de neige se soulève pendant les nuits éblouissantes, et quoique morts, parfois en rêve, ils voient leurs femmes gémissantes. Ils dorment là-bas dans les havres, où jamais notre voix n'arrive, et surtout leurs pauvres cadavres, on a jeté de la chaux vive.